Je reviens en arrière. Au début de la Seconde Guerre mondiale, sont arrivées les machettes. Avant, c'était des outils de pierre. Donc, j'ai assisté à la transformation d'une société néolithique en société post-néolithique. Donc, les outils de pierre, c'était des herminettes et non pas des haches. Donc voilà une herminette qui est faite de silex avec les éclats. Bon, ça c'est plus ancien que c'est pré-néolithique vraiment. Hein. Et c'est la même chose. Et ça vous indique comment on travaille. On doit faire ici l'emmancher. Et pour pas que ça tombe, il faut une ligature très forte, très forte. Donc pour savoir faire ça, autrement ça casse. Et donc tu travailles comme ça. Tu travailles pas comme ça. Là, une hache, tu coupes. Tchouk. Et tu coupes. Là, tu écrases les fibres. Et bon. Donc en fait, ça c'est une hache de travail. Ça, il n'y en avait pas en Nouvelle-Guinée, chez les Baruyas. C'est des haches cérémonielles. C'est donc pas fait pour servir, pour couper les arbres, mais c'est des dons très importants, parce que pour faire une... ça, il faut plusieurs semaines de travail. Et tu dois être dans la rivière et polir sur... parce que tu as besoin de l'eau à côté. Mais, donc il faut une pierre de polissage, puis de l'eau, puis la pierre, puis tu arrives à faire ça, ce qui est magnifique quand même. Alors habituellement en Nouvelle-Guinée, dans les grandes sociétés où il y a les big men, donc des échanges de cochons, des échanges de coquillages et tout ça, ils échangent ça aussi. Donc c'est des biens de pouvoir, c'est des biens de prestige. C'est pas des... Ce n'est pas des moyens de travail, ce n'est pas des moyens de production. Quoi. Et ça, c'est important, tandis que chez les Baruyas, c'était ça. Il n'y a pas de pierre chez les Baruyas pour pouvoir travailler. Donc, comme au néolithique, j'ai fait le tracé, j'ai cherché, il y a des pierres qui venaient de 50 km. Donc, contre du sel, ils achetaient des pierres. Contre du sel, ils achetaient des flèches barbées. Des petits cochons aussi. Et surtout les capes d'écorce. Parfois les plumes. Parce qu'ils avaient besoin des plumes de casoar, noires, puis ensuite des oiseaux de paradis qui sont un peu rares chez eux. Donc les oiseaux de paradis, c'est rouge. Et c'est pas comme dans les sociétés des Gorokar, etc., où la tribu tout entière est couverte de plumes. Les oiseaux de paradis, à partir du XVe siècle, ça arrive en Europe. Parce que si vous prenez la Nouvelle-Guinée, en allant vers l'ouest, c'est le Fokkelkopf. Le Fokkelkopf, c'est hollandais, si on peut dire. Et à partir de là, il y avait des sultanats qui arrivent à Malaisie, tout ça, et les plumes remontaient jusqu'en Europe pour les cours impériales, royales et tout. Quoi. Bon. Donc c'était interdit aujourd'hui de sortir des oiseaux de paradis. Ah, ici, tiens, tu en as. On voit très bien. Là, c'est les plumes de casoar. Plumes de casoar, ici. Noires. Oiseaux de paradis. qui domine. Ici, tu as là, tu as quelqu'un qui a comment on appelle, une dent de cochon, qui est là. Le sanglier, je veux dire. Donc en fait, c'est, alors, voilà, là, quelqu'un qui est aussi. Et souvent, ils ont des colliers de dents de chien. Donc, ils retirent, ils ont des colliers de dents de chien. J'en ai un dans l'entrée, là, comme ça. Bon, et ces coquillages-là, ça vient de la mer. Voilà, c'est des... Et ils ne savaient pas où était la mer. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mer. En même temps, c'est compliqué parce que quand j'ai emmené les maîtres d'initiation qui n'avaient jamais quitté le... ils sont arrivés à la mer avec moi. Et alors ils m'ont dit que... Il m'a dit, tu sais, nos ancêtres étaient auprès d'une grande eau. C'est pas un lac, hein, c'est pas une mare non plus. Alors, ça peut être dans leur mémoire, ça peut être le fait que une série de populations, quand sont arrivés les Polynésiens, ils sont passés à travers la Nouvelle-Guinée au nord et au sud, le long des côtes. Et là, ils ont fait remonter des tribus à l'intérieur. Il est possible que mon maître chaman avait un écho de que peut-être leur tribu était plus bas vers la mer et que... Et donc l'idée d'une grande eau, c'est pas un lac, il n'y en a pas de lac là, donc je sais pas. Donc en fait, les Polynésiens enfin les Polynésiens, les Austronésiens, venant de Taïwan, sont partis 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Ils sont traversés ici, au-dessus, au nord, puis après ils sont partis dans le triangle où se forment les Polynésiens, c'est-à-dire Samoa, Fidji, plus tard Hawaï, de cette région-là. C'est dans cette région que les Austronésiens deviennent des Polynésiens. C'est de cette région qu'ils partent vers la Nouvelle-Zélande et ils partent vers Hawaï. Et donc c'est là que se fait la Polynésie d'Océanie, quoi. Donc quand tu arrives entre la Mélanésie et la Polynésie, tu as des îles au Vanuatu où les gens sont... de culture polynésienne, d'autres mélanésiennes. Donc, mais ici, c'est probablement les premières sociétés de Nouvelle-Guinée, peut-être 10 000, 15 000 avant Jésus-Christ, venues de la région du sud-est asiatique, on ne sait pas quoi. Parce qu'à l'époque, dans cette mer, il y a la Wallace Division, c'est-à-dire une séparation qui est plutôt récente. Avant, on pouvait passer d'île en île. Et après, c'est... Bon. Donc, on sait que ça, c'est plus ancien que Jésus-Christ et tout ça. C'est pas... De plus, la Nouvelle-Guinée, c'est la zone de domestication de la canne à sucre, quand même, hein, qui s'est diffusée vers après... Donc, et la plante originelle de ces régions, c'est le taro, c'est pas la patate douce. Mais la patate douce permet des productions incroyables, en quantité, quoi. Les taros, c'est beaucoup moins productif, mais c'est la plante sacrée, quoi. Mais ils ne le savent pas, hein. Parce que quand je discutais avec eux, pourquoi vous mettez aussi des patates en dessous des morts ? Ah ben, c'est les ancêtres. Mais ils ne l'auraient pas dit qu'ils n'avaient pas de patates douces 3 siècles avant, 4 siècles avant. Ça ne sert à rien. C'est pour les gens qui vont à l'école après tout ça, oui, mais pas quand tu discutes avec les gens. Donc tu vois ici, là je vous ai montré, voilà, on est avec les mamans, les sœurs et tout ça. Tous les jeunes sont là, 9 ans, 10 ans. Ils sont terrifiés, hein, parce qu'ils vont perdre leur maman pour 10 ans. Là. Donc c'est très, très, très angoissant, quoi. Personne ne parle. Les enfants sont chéris puisqu'ils sont habillés de neuf. Et donc ils vont monter la pente ici pour arriver devant ces gens qui vont les menacer. De chaque côté du chemin, il y a les hommes, et les hommes avec des branches, les épineux, tout ça, flagellent le garçon qui est porté par son parrain. Donc le parrain, c'est toujours un membre de la famille maternelle plutôt, souvent. Mais lui va souffrir avec. Son sang va couler, et du fait que leur sang va couler ensemble, ils ne peuvent pas se parler. Après, ils ne peuvent plus se parler pendant... Mais le type va s'occuper de son filleul, si on peut dire, bien que ce soit un mot occidental, dans la maison des hommes. C'est-à-dire, j'ai constaté que lui va s'occuper du petit pendant au moins plusieurs années, qui grandit, 9 ans, 13, 12 ans, comme une mère. C'est-à-dire, cet homme va être maternel à l'intérieur d'un monde masculin. Mais les petits, une fois rentrés, 9 ans, 12 ans, donc 9 ans, 12 ans, 12, 15, 15, 18, 18, 20, 21, 20, 21. Ça, c'est les 4 stades d'initiation. Donc, si tu prends le premier et le deuxième stade, ils vont servir, ils vont être inséminés de force par les aînés qui ont du sperme, parce qu'ils sont pubères. Et donc c'est refaire par des hommes vierges de tout rapport avec les femmes, refaire des garçons sans les femmes. Donc la fellation, c'est un geste d'appropriation, si on peut dire, de reconstruction du corps masculin sans les femmes. Dans les rites anciens que on m'a décrit, que j'avais retrouvé dans une tribu voisine, non seulement on donnait de sperme à boire, mais dans les initiations, on enfonçait des baguettes de bambou dans le nez. Terrible. Et on faisait couler le sang parce que c'était le reste de sang maternel. Donc on purifie le corps des hommes de ce qui est maternel pour qu'il soit refait par les hommes, vierge de tout rapport sexuel. Donc à 20 ans, 21 ans, les jeunes hommes quittent la maison des hommes, qui est tout en haut du village. Hein. Les garçons et les filles, enfin, on construit pour le nouveau couple une maison. C'est le futur marié qui découpe dans la brousse les arbres et la porte tous les matériaux de fondation. Les femmes vont apporter le chaume, donc, et les hommes du clan du garçon vont faire le feu. La maison se divise en 2 parties invisibles, les femmes et les enfants, les hommes, l'homme, là. Donc, une femme ne peut pas franchir le feu. Le feu, c'est l'aliment. L'aliment va dans la bouche des hommes d'abord. Donc, si une femme fait ça, elle est frappée, tout ça. Pas... Elle le frappa d'ailleurs par intériorisation des normes. Donc l'homme couche ici, ses femmes couchent là. Il n'y a pas comme en Afrique plusieurs maisons de femmes. Et en général, un homme n'a que 2 épouses au maximum. Et s'il a 2 épouses, il doit les épouser le même jour, pour pas qu'il y ait de première femme. Parce que s'il y a une première épouse, elle n'aime pas les secondes. L'Afrique est pourrie à cause de ça. Et donc, voilà, l'espace masculin, l'espace féminin. Et l'homme peut coucher avec ses petits garçons. Il peut prendre un bébé, jamais. Un homme ne porte... Quand j'étais là, moi, au tout début de l'influence occidentale, un homme ne portait jamais un bébé pendant la première année. Quand il avait survécu, le bébé... D'abord, le bébé, on lui couvrait la tête d'un sac à grande maille. Pas celui-là, ça c'est pour porter de patates douces. Donc il pouvait voir le bébé, mais le père ne pouvait pas voir son visage. Donc pendant 1 an, le visage est caché. Le bébé pisse, chie sur sa mère, qu'on la nettoie, tout ça, bien sûr. S'il survit, au bout d'1 an, il reçoit un nom. Maurice Godelier, en génération alterne. Le grand-père, le grand-oncle ou la grande-tante, etc. À partir du moment où il a reçu un nom, il va vivre dans le clan. Sinon, s'il meurt avant, la mère l'enterre dans une zone no man's land, comme un chien. Il n'est pas humain, il n'est pas encore un être humain. Donc c'est là qu'on a le sperme qui fait l'enfant, qui ne fait pas l'enfant, il faut dire le sperme, le soleil qui finit le fœtus, le nez qu'on va percer les doigts des chasseurs et des cultivateurs. Ensuite tu as la mère qui est un sac, Gilia, c'est-à-dire l'utérus c'est un sac, comme pour porter les patates. Et enfin, il y a le nom, donc c'est le 4e acteur. C'est l'ancêtre qui porte un nombre, et le nom se transfère. Donc je ne peux pas donner moi-même un nom à mon fils. C'est mon père qui se réincarne. Alors, le problème c'est... C'est un nom qui porte un esprit, courrier on appelle. Alors, est-ce que c'est l'esprit de l'ancêtre qui rentre et renaît? J'ai jamais pu aller plus loin. Chez les Inuits, oui, ce serait comme ça, quoi. Le nom âme qui se réincarne, mais bon, là, j'avais ça dans la tête, mais bon, comme les types me disent pas, je peux pas dire. Et donc ensuite, pour faire un peu d'érotisme barouya, une femme ne peut jamais chevaucher un homme pour baiser. Parce que si elle est au-dessus, à califourchon, si on peut dire, les jus de son sexe coulent sur le ventre de l'homme et ruinent sa force. Donc ils font l'amour à la missionnaire. Donc, si on peut dire. Et bien sûr, la fellation. Et, donc, mais une fois qu'un jeune homme a quitté la maison des hommes, il ne peut plus mettre son sexe dans la bouche d'un jeune initié. Il ne peut pas. Donc, l'homosexualité se termine, l'hétérosexualité. Et quand on construit la maison, après que la maison soit construite, on allume le feu. le feu va noircir les parois. Ça prend 3 semaines, au moins. Et pendant 3 semaines, ils n'ont pas le droit de faire l'amour. C'est la fellation. Avec cette idée qu'on remplit les seins de la jeune femme du lait du futur bébé qui va naître. Ok. À partir du moment où les parois sont noires de suie, ils peuvent faire l'amour. Bon. Donc il faut connaître un peu tout ça, quoi. Et donc je replace la maison dans le village, et le village dans les villages de la tribu, de vallées, et tu as une économie politique régionale, avec les moins-moins, les plus-moins et les plus-plus. Donc tu sais comment ils vont vivre pendant un siècle de guerre en paix, de paix en guerre. Donc bon, en même temps, la guerre, il ne faut pas la penser comme nous, seulement par le meurtre et tout ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils défrichent, il y a toujours de très grands arbres. Alors, les arbres ont une âme. Donc avant d'ouvrir un jardin, il faut faire un rite très important. On fait venir le chaman, les chamans. Les hommes sont là. Les femmes, non. Les hommes sont là, 10, 15 hommes au moins. On décore le grand arbre. On fait une plateforme pour pouvoir monter à 2 mètres à peu près de haut, pour pouvoir abattre ensuite l'arbre au-dessus de la souche, parce que dessoucher un arbre, avec ça, tu ne peux pas. Il faut que tu brûles pendant longtemps la souche encore pour... Donc, pour abattre le grand arbre, tu fais une plateforme, les jeunes vont monter, les jeunes hommes, et on décore comme un grand guerrier, l'arbre. On lui met des colliers de kauris, on lui met les oiseaux de paradis, des plumes, on lui met... Bon, après, c'est là qu'on va faire un rituel pour le soleil. Et après, on va retirer ça et on va abattre le grand qui va écraser les petits en dessous. Là. Mais au moment où l'arbre va tomber, le chaman et tous les hommes jettent, enfin il y a une invocation que le chaman fait. Il ne m'a pas donné la formule, mais ben, je sais ce que c'est quand même à peu près. Tous les hommes sont avec des bâtons et jettent les bâtons au moment où l'arbre tombe. Tout le monde, tout ça. Et donc on précipite l'esprit de l'arbre, qui est blessé maintenant, en colère. On le précipite sur les ennemis, ici. Donc on envoie l'esprit pour qu'il, en colère, il tue les ennemis. Donc les Blancs ne se rendent pas compte que la guerre, c'est pas seulement de tuer, c'est d'agresser. Donc les esprits en colère sont des missiles envoyés par les Baruyas pour que quand les autres vont faire le brûlis, il y a un accident de travail. Un éboulement de la terre, il y en a beaucoup souvent avec la pluie tropicale et tout. Ça s'effondre, il y a 2-3 morts là. Donc il y a une guerre permanente. Et les chamans, la nuit, ne dorment pas, théoriquement. Hein. Les chamans sont là, ici dans le village. Là, dans mon village, je suis là. Les chamans, la nuit, leur esprit s'installe là. ce sont des vigiles. Les chamans femmes, les esprits s'installent en bas, au bord de la rivière. Donc les esprits des femmes chamans en bas, les hommes en haut. Ils sont comme des oiseaux. Et pourquoi? Parce que pendant la nuit, les esprits des Baruyas qui dorment peuvent partir et aller là-bas. Mais les esprits des chamans qui veulent tuer circulent. Donc la nuit, en dormant, les gens peuvent traverser la montagne, la rivière du moins, la rivière et la montagne, se retrouver par... Et là, ils sont dévorés par les esprits ou les chamans. Donc chaque nuit, c'est un conflit permanent. Et donc il faut entourer magiquement toute la tribu. Et donc en haut des montagnes, les vigiles, c'est les hommes. En bas, le long des rivières, les vigiles sont les femmes. Donc c'est comme ça qu'ils vivent. C'est pour ça que le matin, il ne faut pas réveiller un Barouya. Parce que son esprit n'est pas rentré, peut-être. Peut-être. Donc il faut aller doucement, là. Il ne faut pas déconner, là. Donc là, vous voyez, un peu, je vous ai expliqué un peu l'univers de... Voilà, les dents de cochon, là, sont là. Les dents de chien, pardon, sont là. Voilà. Voilà, tu les vois, là, les dents de chien. Ouais. Ouais. Face à nous. Hein? La photo face à nous. Voilà. Ça, ça vient de très loin. C'est pas du tout de la région. Ça vient plutôt de Menyamia, pas loin de territoire des ancêtres. Donc ça veut dire qu'il y a eu du commerce. Ici, vous voyez le yip mouillé. C'est ce que l'on met sur sa tête, c'est un bandeau avec la couleur du soleil. Donc tous les guerriers, tous les hommes, quoi, portent un bandeau frontal qui est la couleur du soleil, plus le casoar, qui est la femme sauvage, etc. Donc, ouais. Et donc les petits, quand on va les initier, on va à un moment leur mettre le bandeau frontal. Mais premier stade, ils sont habillés en mettant le cul nu, sauf la bande d'écorce de la queue du tétard. Le cul nu pour qu'ils n'aillent pas se promener devant les femmes, sans quoi ils auraient la honte, la honte. Mais en même temps, c'est encore que des tétards. Ils vont être refaits par les hommes. Donc tu réactives le mythe d'origine. Tu vois? Tu réactives, donc. Donc vous voyez, il faut un peu de temps pour comprendre. Hein. C'est pas en faisant du journalisme pendant 15 jours. France, l'observateur qui arrive 3 semaines, c'est les Baruyas, c'est pas possible. Voilà, voilà, tu as le bandeau frontal ici. Tu as le bandeau frontal qui va être recouvert par un bras, enfin un collier, on peut dire un collier, je sais pas comment on dit. Ça, ce sont, ils prennent des orchidées. C'est très important les orchidées dans la forêt, hein, il y en a plein. Hein. Et ils retirent la fleur, ça ne les intéresse pas trop, mais l'intérieur des tiges est toute jaune. Et donc ils produisent ainsi des corps jaunes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaune dans la nature. Et c'était mieux quand le soleil arrive, que le Dieu, la divinité arrive au moment des initiations. Elle illumine. Elle illumine les hommes et les femmes et tout. Mais quand... Et ça chauffe tellement les corps, chauffe mystiquement les corps, enfin, etc. La présence du soleil, qu'à la fin, On a des initiations, il faut chasser le soleil, il faut le repousser.